place aux conditions. C'est bien le présentiel. C'est bien. Non, non. Non, non, je l'ai vu tout de suite. Je me suis sauté dessus parce que. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris dans ce nouveau mardi de l'IAP, celui-ci en carte blanche avec l'Union rationaliste. Et on a un sujet tout à fait approprié puisque nous allons parler de l'objet du délit, voilà, qui vous dit tout de suite ce que je pense moi aussi sur le sujet. Et donc on a la chance d'avoir un auteur qui est tout très très, comment dire, approprié, compétent sur ce sujet, étant donné vos actes passés. Et donc c'est un grand plaisir que, disons, la parole de professionnel puisse être entendue, et pas simplement ceux qui disposent d'une galaxie médiatique et d'un pouvoir de nuisance important. Voilà, donc maintenant à toi, Daniel, si tu veux bien. Moi, c'est le plaisir de vous accueillir en tant que directeur de... Ah oui, by the way, voilà, je suis directeur de cette maison, ce qui explique que je vous souhaite la bienvenue. Et le secrétaire de l'Union rationaliste va vous dire quelques mots supplémentaires. Merci François. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir les internautes, que j'espère nombreux. Et bonsoir Jean-Marc. Alors, cette carte blanche donc, est organisée par l'Union rationaliste, et c'est la troisième depuis le début de cette série, qui a commencé en février dernier. Et la prochaine aura lieu en octobre prochain. Donc il y aura l'été entre les deux. Donc je rappelle un peu le contexte, pourquoi vous êtes là ce soir et pourquoi Jean-Marc a été invité. Le 13 octobre 2021 paraissait un essai intitulé « Dieu, la science, l'épreuve » que François a montré, c'est l'objet du délire, dont les auteurs sont Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassiès. Alors ce livre présentait les enseignements résultant d'une enquête menée pendant 3 ans par les auteurs, le but étant de trancher et affirmer au nom de la science s'il existe un Dieu
créateur ou pas. Voilà. À ça, moi, je réponds personnellement que seul Dieu sait s'il existe ou pas. Voilà, c'est ma contribution en tant que membre du collège de pataphysique. Alors, inutile de dire qu'à l'Union rationaliste et ailleurs, ce livre, par sa présentation, son argumentaire, nous a fait bondir. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, puisque c'est le sens de la carte blanche donnée à Jean-Marc Lévy-Leblond aujourd'hui. Il est vrai que nous croyons toujours en avoir fini. Eh bien non, il faut, comme toujours, remettre l'ouvrage sur la table. Et donc, l'Union a décidé de réagir, a publié des communiqués, des articles, conjointement d'ailleurs à d'autres contributions d'autres scientifiques, dont Michel Cassé, Jo Silk, David Elbaz, astronome du CEA, qui a écrit un article très très bien pesé et ciblé dans, je crois que c'est dans Le Point. Bref, j'en passe. Il y a eu des réactions. Alors, au-delà, évidemment, se pose le problème de la facilité avec laquelle cet ouvrage a pu être diffusé, ce que François, où est-il ? François, t'es là. François a déjà évoqué, c'est que Michel-Yves Bolloré, bien sûr, vous le savez sans doute, est le frère de Vincent Bolloré, industriel, propriétaire de médias et d'organes de presse très puissants. Et donc, on voit ce qui est à l'œuvre dans La Fabrique de l'Opinion. Alors je signale que ce thème, la fabrique de l'opinion, sera précisément le titre du futur colloque annuel de l'Union rationaliste qui se tiendra en novembre prochain. Et si vous voulez avoir des renseignements sur ce colloque, vous pouvez les trouver sur le site de l'Union rationaliste. Nous sommes en train de contacter les contributeurs. Je pense que ce sera un colloque tout à fait pertinent et qui réagit bien avec ce qui se dit ce soir, ce qui va se dire ce soir. Jean-Marc Lévy-Leblond, ici présent, a de son côté réagi immédiatement à la sortie de cet ouvrage. Il a écrit une contribution dans les Cahiers rationalistes et aussi dans la revue Ciel et Espace, qui est une revue d'astronomie que nous connaissons tous et où effectivement cet article a été bien accueilli. Donc raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir. Alors, pour brièvement présenter Jean-Marc Lévy-Leblond, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même parmi vous, parce qu'il est un habitué des lieux, puisqu'il est venu de nombreuses fois nous donner de remarquables conférences lors des mardis de l'astrophysique. Les premiers mardis de chaque mois sont consacrés à l'astrophysique, contrairement au troisième mardi de chaque mois. Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien, chercheur, professeur des universités, et ses travaux de recherche ont surtout porté sur la physique théorique et mathématique, et puis sur l'épistémologie, donc l'histoire des sciences. Excellent vulgarisateur, j'ai lu, mais vous allez vous en apercevoir tout seul, donc je n'ai même pas besoin d'argumenter ce point. En tout cas, ce que je retiens pour avoir rencontré son travail lorsque j'étais en 91-92, au ministère de la Recherche, lorsque Hubert Curien était alors ministre, il défendait haut et fort la nécessité de remettre la science en culture et au centre de la cité. Pour atteindre ce but, il analyse dans tous ses ouvrages les dérives du scientisme, de l'irrationalisme, ce qui le conduit à proclamer, entre autres, la nécessité d'une critique de science, à l'instar de la critique d'art. Et je pourrais citer quelques ouvrages, il a écrit pas mal d'ouvrages, ces ouvrages marquants, mais c'est très subjectif. Ça commence, je crois que celui qui a le premier marqué les esprits, c'était Autocritique de la science, paru en 1973. Voilà, et ensuite, il y en a d'autres, Au contraire, par exemple, en 1986, et assez récemment, le 2006, La vitesse de l'ombre, aux limites. Sous-titre « Aux limites de la science » où il discute donc l'interface entre l'irrationnel et le rationnel. Il est aussi fondateur d'une excellente revue, « Alliage », qui décline à la fois la culture, la science et la technique. Tout ça, c'est dans une même marmite. Ça donne un alliage qui est intéressant, qui est un véritable délice pour les lecteurs. Et on voit que dans cet esprit, on se situe vraiment bien à l'opposé de la démarche d'un Michel-Yves Bolloré, puisqu'il s'agit de préserver un vrai discours scientifique afin d'éviter l'incompréhension abyssale qui se dresse entre les spécialistes et le grand public. Incompréhension d'ailleurs que nous avons vécue lors de la pandémie,
qui a conduit d'une manière absolument paradoxale, mais à des blocages face à des situations, des solutions pourtant innovantes proposées par la communauté scientifique. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de continuité entre les deux cartes blanches précédentes, puisque la première, donnée par Rosan Vallon, portait sur le problème de la confiance. Comment restaurer la confiance entre le scientifique et l'opinion. Et la deuxième, celle de Jean-François Delfrécy, qui parlait effectivement du lien qu'il y a entre des conflits qu'il peut y avoir entre science et politique. Voilà, donc j'arrête là et je pense que celle qui est proposée ce soir permet de continuer le débat. Merci Jean-Marc. Merci Daniel, merci à toutes et tous pour votre présence, merci à l'Union rationaliste et à l'Institut d'astrophysique pour leur invitation. Je suis effectivement venu plusieurs fois dans cet amphi, mais celle qui m'a le plus marqué, je ne résiste pas au plaisir de vous la rappeler, c'était en 72, dans les belles années de l'action radicale, en particulier d'un certain nombre de scientifiques, après mai 68, et il se trouve qu'un de mes chers collègues, Daniel Saint-James, et moi-même avions été arrêtés au petit matin par la police de Marcelin parce que nous avions été vus avec des étudiants à la faculté des sciences qui protestaient contre la présence de la police à l'intérieur de l'université. Et donc, ça n'a pas eu des conséquences trop graves puisque après quelques heures passées au dépôt de la préfecture de police, endroit sinistre s'il en est, ils ont fini par nous relâcher. Et je me souviens très bien, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, j'ai essayé de savoir où étaient les amis. Ils étaient ici, en assemblée générale, pour réclamer haut et fort notre libération à Daniel Saint-James et moi. Et donc, je me suis précipité. Et je me souviens toujours qu'en ouvrant la porte devant cet amphithéâtre rempli de collègues, il y a eu un double mouvement simultané extrêmement drôle de soulagement et de déception. Soulagement, ah, ils les ont libérés. Déception, zut alors, on n'a plus d'arguments pour aller manifester pour leur... Et donc, ça m'est resté depuis ce temps-là. Pardon pour cette anecdote très personnelle. Daniel, ça t'ennuierait de me prêter ta montre, que je suive un peu le temps. Alors, je vous dois en plus des excuses parce que j'avais préparé... un petit PowerPoint pour vous montrer quelques images illustrant mon propos. Et j'ai fait une fausse manœuvre et j'ai tout perdu à la fin de l'après-midi. Donc, ceci sera un discours sans images. Alors, le livre que vous voyez là, il a connu un très grand succès. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ses ventes sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers. Dès sa parution, il a suscité des commentaires enthousiastes d'une partie de la presse, dont évidemment Le Figaro, ce qui ne vous étonnera pas tellement. Un grand texte de 10 pages, un grand entretien avec les auteurs dans Le Figaro Magazine, que Le Figaro Magazine présentait ainsi. Ce livre fait la synthèse des découvertes scientifiques du dernier siècle pour en conclure à l'existence d'une intelligence supérieure. Dans le chapeau, ils n'ont pas encore osé dire Dieu ou etc. Les deux auteurs espèrent contribuer à la prise de conscience globale d'un univers traversé par le souffle divin. Alors, évidemment, il faut rappeler le contexte de parution, ce que tu as commencé à faire, c'est-à-dire que nous étions en pleine offensive politique idéologique de la droite ultra-réactionnaire. La multinationale Bolloré, dont le patron Vincent Bolloré est le frère de l'un des auteurs, de Michel-Yves Bolloré, est un homme de l'Opus Dei. Il soutenait la candidature de Zemmour à la présidence de la République. Le livre est distribué par Editis, sa publicité par Havas, et un documentaire est même en préparation pour Canal+, Editis, Havas et Canal+, étant trois filiales de Vivendi, qui est la multinationale contrôlée par Bolloré. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une parution marginale, ça s'inscrit dans un contexte extrêmement clair.
Alors, je ne vais pas développer longtemps un aspect qu'il faut quand même mentionner, c'est la faiblesse éditoriale, au sens technique du terme, de cet ouvrage. D'abord, publier un pavé de 580 pages sur un thème comme ça, c'est s'exposer par avance à avoir beaucoup moins de lecteurs que d'acheteurs. On n'aura jamais le chiffre exact, mais je suis persuadé que sur les centaines de milliers de lecteurs, très peu l'ont lu non seulement jusqu'au bout, mais attentivement d'un bout à l'autre. Au surplus, ce livre a été très mal relu, il fourmille de coquilles, il n'y a pas d'index, ce qui, dans un livre qui multiplie les citations, est tout à fait dommageable. Les dites citations, d'ailleurs, sont très répétitives, on retrouve la même 3 ou 4 fois de suite. Et de plus, à l'intérieur de l'ouvrage, on trouve des chapitres qui n'ont pas grand-chose à voir avec le contenu propre tel qu'il est affiché, puisqu'il y a tout un chapitre sur la personne de Jésus, tout un chapitre sur le peuple juif et tout un chapitre sur le miracle de Fatima, qui sont évidemment étrangères à des discussions proprement scientifiques. Donc les auteurs ont estimé qu'il fallait faire feu de tout bois et ils ont multiplié ces assises. Alors, venons-en au point qui nous préoccupe le plus ici. D'abord, c'est que les théories scientifiques que ces auteurs invoquent résultent de lectures extrêmement superficielles, de nombreux ouvrages de vulgarisation, mais pas ceux de la meilleure qualité possible. Et de fait, il est facile d'en avoir des preuves à de nombreuses pages. Je prendrai que 2 exemples de la faiblesse proprement scientifique de l'ouvrage. Le premier, c'est que, évidemment, ils n'ont pas résisté à l'argument le plus élémentaire, le plus rudimentaire, mais qui n'a rien de très neuf, c'est « Ah ah, les scientifiques nous disent que l'origine a un commencement, une origine. S'il a un commencement, une origine, c'est qu'il a été créé. Et par qui, s'il vous plaît? Sinon, par une puissance supérieure. » Autrement dit, la théorie de la cosmologie évolutive telle que nous la connaissons aujourd'hui est invoquée pour appuyer cette idée d'un début et donc d'une création de l'univers. Sauf que les auteurs se prennent un peu les pieds dans le tapis scientifique, puisqu'il mélange tout, et en particulier, il mélange le temps zéro, qui est censé être celui de l'origine, avec le temps de Planck, qui vaut environ 10-43 secondes, et qui est le temps en dessous duquel, avant lequel, se manifestent, au niveau de la cosmogenèse, des effets quantiques prépondérants. Et c'est là une confusion qui sape complètement leur démonstration, puisque ces effets quantiques nous sont à l'heure actuelle extrêmement mal connus. Nous n'avons pas de bonnes théories qui nous permettent de les évaluer, ce qui veut dire que la cosmologie de type classique, pour l'instant, échoue à décrire correctement ce qui se passe en deçà, en avant le temps de Planck. Et tirer une conséquence donc de cette cosmologie classique, après avoir dit ou laissé entendre qu'elle ne s'appliquait justement pas dans les premiers instants, est évidemment une contradiction majeure. Et le fond de l'affaire, c'est qu'il semble difficile de penser aujourd'hui que la science assène des vérités définitives et absolues. N'importe qui ayant un peu réfléchi sait très bien que les vérités scientifiques sont provisoires, susceptibles d'être contredites, en nécessité d'être au minimum modifiées, adaptées aux nouvelles découvertes. Et donc déduire de l'état de la science à un moment donné des affirmations métaphysiques ou théologiques, censément, elles, universelles et éternelles, est un pari plus qu'osé et certainement perdant, à moyen terme en tout cas.
L'autre argument relié au précédent, donc sur la création putative de l'univers, est fondé sur la thermodynamique dont ces auteurs font grand cas, en la considérant d'ailleurs comme une grande innovation théorique de la physique du XXe siècle, alors qu'elle remonte en fait au XIXe. Et ils exploitent à fond l'idée, effectivement largement débattue à la fin du XIXe siècle, de la mort thermique de l'univers. La mort thermique de l'univers, c'est la conclusion que tiraient beaucoup de physiciens à cette époque-là, nous sommes dans les années, mettons, 1880, du fait qu'on avait appris à l'époque que dans un système clos, l'entropie, dont je vais dire très sommairement qu'elle représente, disons, l'état de désordre de l'univers, l'entropie d'un système ne peut qu'augmenter. Autrement dit, notre univers, suivant cette posture, serait amené à se désorganiser de plus et à finir, sinon finir, du moins à aller vers un état de désordre complet où tout serait mélangé, où toutes les structures bien organisées que nous connaissons aujourd'hui seraient dissoutes dans un magma universel. Or, l'argument serait, d'après les auteurs, que s'il y a une fin inévitable, il y a un début obligé. Mais, d'une part, cet accroissement de l'entropie, comme je viens de le dire, ne signale nullement une fin, mais une tendance. Personne ne disait, dès cette époque-là, au XIXe siècle, qu'il y aurait un moment dans le futur où l'entropie serait devenue infinie et où tout cesserait d'avoir une structure. Donc c'est plutôt une tendance vers un horizon temporel indéfini. Du coup, arguer de cela pour, au contraire, mettre de l'autre côté un début lui-même daté chronologiquement, c'est un non-sequitur absolu. Mais, plus important encore, cette idée de mort thermique de l'univers reste encore aujourd'hui largement débattue et fait l'objet, disons, d'une méfiance assez générale de la plupart des physiciens, dans la mesure où elle s'applique à des systèmes fermés, mais peut-on considérer l'univers comme un système fermé ? Des doutes. Un système fermé, c'est un système qui ne peut pas échanger avec son extérieur. Mais y a-t-il un extérieur à l'univers qui permettrait de le considérer soit comme ouvert, soit comme fermé ? Et je vous lis d'ailleurs une citation de notre ami Hubert Reeves, qui écrit: cette vision du monde, celle d'une mort thermique de l'univers, est profondément influencée par le développement de la thermodynamique de la fin du XIXe siècle, à partir de la notion d'entropie de Boltzmann. Pourtant, nous savons maintenant qu'il existe une autre forme d'entropie reliée à la force de gravité qui change complètement la donne. Tout au long de l'histoire de l'univers, la gravité engendre de nouveaux écarts thermiques en amenant la matière galactique à se compacter sur elle-même, former des étoiles. Autrement dit, il apparaît en permanence des structures qui luttent contre la déperdition qui correspond à l'augmentation de l'entropie. De surcroît, la découverte récente de l'énergie cosmique sombre, composante majeure de la densité cosmique, va encore plus loin dans le même sens. Le scénario de la mort thermique est donc totalement remis en question. Donc il n'y a aucun consensus sur cette affaire-là, et arguer, comme le font les auteurs, de la mort thermique pour en conclure à une naissance est logiquement intenable et scientifiquement infondé. D'ailleurs, comme Michel Cassel lui-même l'a fait remarquer, ça voudrait dire, si l'on suivait les auteurs, que l'univers évoluerait certes vers un état de grande entropie, de désordre complet, mais à partir donc d'un état de faible entropie, donc un état hautement organisé, ce qui n'est pas du tout ce que dit la théorie cosmologique aujourd'hui, et qui au surplus, même théologiquement, me paraît tout à fait bizarre, du seul point de vue d'ailleurs du récit biblique, où vous savez qu'au début est le tohu-bohu, les premières lignes de la Genèse, donc un désordre complet,
Et ça serait effectivement très bizarre que le créateur commence par créer un univers très organisé pour le laisser ensuite se désorganiser petit à petit. On ne voit vraiment pas quel intérêt cette pagaille complète, ce déréglage aurait. Mais la faiblesse finalement majeure de l'entreprise apologétique que représente ce livre est à la fois d'ordre scientifique, je viens d'en parler, je ne vais pas détailler parce qu'on pourrait multiplier les exemples qui sont tous aussi sommaires que ceux que je viens d'évoquer, faiblesse scientifique, mais aussi historique, philosophique et religieux, plus encore que scientifique, au point que même un physicien ne peut qu'en être frappé. En fait, les auteurs font fi d'une très longue histoire qui est celle des preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Ça fait des siècles et des siècles qu'on convoque les données scientifiques, les connaissances scientifiques d'une époque donnée pour tenter d'apporter des preuves de l'existence de Dieu. Ces preuves peuvent être fondées, suivant le cas, sur la physique, sur la biologie, sur la logique même, d'ailleurs, comme la fameuse preuve ontologique de saint Anselme, qui remonte à 1077, si mes souvenirs sont exacts, et qui, pour la schématiser, elle est plus subtile que ce que je vais dire, et pour la schématiser, dit ceci, « Définition de Dieu comme possédant toutes les perfections, l'existence est une perfection, donc Dieu possède l'existence. » Alors, chez saint Anselme, c'est un peu plus subtil que ça, mais vous voyez que tout repose sur une pétition de principe initiale qui consiste, deux pétitions de principe, l'une qui consiste à définir Dieu comme ayant toutes les perfections, et deux, considérer l'existence comme une perfection. Après tout, on pourrait très bien défendre l'idée que l'inexistence, le non-être, est encore beaucoup plus parfait que l'être qui est nécessairement multiple, confus, etc. Cette preuve de saint Anselme, fondée sur un argument de pure logique, inspirera Descartes, Leibniz, Hegel, sous des formes de plus en plus sophistiquées, et sera même reprise sous une forme mathématique axiomatisée par Gödel dans les années 1930. Gödel, qui est le plus grand logicien du XXe siècle, sans doute un des plus grands logiciens de l'histoire, était un personnage très très singulier qui, au-delà de ses arguments sur la logique mathématique, sur l'incomplétude des mathématiques, etc., était un personnage très très étrange, psychologiquement parlant. Je vous invite à lire, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, un très beau livre de Cassou Nogues qui s'appelle La folie de Gödel, je crois, tout simplement, et qui montre que Gödel, à côté de ses mathématiques, croyait à l'existence des anges, du diable. Alors, sous des formes sophistiquées, il n'imaginait pas diable avec des pieds fourchus, des cornes et une queue, ni les anges comme des individus dotés d'ailes. Il avait une conception métaphysique fort sophistiquée, mais il la défendait et il a écrit une page. J'avais préparé mon diaporama pour vous la montrer, je suis désolé. C'est une page de formalisme mathématique, logique, hautement sophistiqué, qui est un équivalent moderne de la démonstration de saint Anselme et qui se heurte en vérité aux mêmes objections de base. Quant à l'idée d'une création temporelle de l'univers, d'un argument qui cette fois-ci serait plus physique, cosmologique, il est tout à fait étonnant de voir que ce livre ne fait strictement aucune, mais aucune référence à un intense débat théologique qui, au début du XIIIe siècle, a débuté et a été animé par rien moins que Bonaventure, Thomas d'Aquin, Boèce de Dacy, Guillaume d'Ockham et d'autres. Et ça, là aussi, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement la lecture d'un petit livre, un recueil qui s'appelle Thomas d'Aquin
et la controverse sur l'éternité du monde, qui est tout à fait remarquable, où vous verrez que les arguments échangés entre théologiens sont d'une autre classe et d'une autre portée que ce qu'on trouve dans ce livre. Effectivement, ce sont deux conceptions de la création. Ils sont ils sont des chrétiens, catholiques, tout ce qu'il y a le plus orthodoxe. Ils croient évidemment à la création du monde au début du temps, mais suivant les uns, il est possible de démontrer rationnellement que le monde a commencé, suivant les autres, il est impossible, car ce commencement ne peut relever que de la foi et non pas de la connaissance rationnelle. Cette seconde position, qui avait été d'ailleurs celle de théologiens islamiques comme Averroès et juifs comme Maïmonide, cette seconde position, celle de Thomas d'Aquin, qui met en garde contre la première en ces termes. Que le monde ait commencé est objet de foi, non de démonstration ou de savoir. Cette observation est utile pour éviter qu'en prétendant démontrer ce qui est de foi par des arguments non rigoureux, on ne donne l'occasion aux incroyants de se moquer en leur faisant supposer que c'est pour des raisons de ce genre que nous croyons ce qui est de foi. Donc, primauté à la foi, ce qui élimine le débat, évidemment, sur la rationalité. On retrouvera un écho, mais tout à fait beaucoup plus moderne et tout à fait profond et intéressant de ce débat chez Spinoza, puisque Spinoza conçoit Dieu comme immanent à la nature, Deus sive natura, et ce qui lui permet de dire « Il n'a point existé de temps ou de durée avant la création », ce qui évite de toute datation possible, puisqu'il n'y a pas de temps avant, on ne peut pas donner une date. Et il ajoute, avec pas mal de profondeur, « Le temps n'est rien qu'un mode de pensée qui, suite de la citation, ne présuppose donc pas une chose créée quelconque, mais avant tout les hommes pensants. Le temps est un concept humain. » Et puis, vous savez très bien qu'un peu plus tard encore, au XVIIIe siècle, Kant, dans la critique de la raison pure, dans le fameux chapitre sur les antinomies de la raison pure, va montrer que la question est logiquement indécidable, qu'une antinomie entre la thèse d'une temporalité infinie et la thèse, au contraire, d'une temporalité finie. Kant explique qu'on ne peut pas philosophiquement trancher cette question. Et ce que ça veut dire, de fait, pour nous aujourd'hui, modernes, c'est que vous ne pouvez pas parler du temps en toute généralité dans un vide abstrait total. Il faut que vous ayez une conception du temps qui s'appuie à la fois sur un formalisme, qui puisse être logique ou mathématique, ce que vous voulez, et sur une interprétation de ce formalisme. Je peux parler, moi, physicien, du temps tel que la cosmologie classique l'a décrit. Mais le temps, pas chez Bergson, mais le temps vécu, c'est une toute autre affaire qui ne relève pas du tout des mêmes concepts et demande à être articulée, ou pas d'ailleurs, avec une conception plus scientifique. Il faut d'ailleurs remarquer que la cosmologie classique du Big Bang, outre le fait qu'elle est provisoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est loin d'être achevée tant qu'on ne... Elle ne sera probablement jamais achevée, mais elle demande dans un immédiat, dont je ne sais s'il est proche ou pas, que les effets quantiques soient pris en compte, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc elle est provisoire, donc elle est non concluante. Mais même dans ce cas-là, dans le cas de la cosmologie la plus classique, c'est-à-dire celle qui remonte au modèle de Friedman, Friedman, le maître, les années 1930, avant que la relativité générale ne lui donne une forme vraiment satisfaisante, même dans ce cas-là,
qui est le cadre théorique utilisé pour affirmer, comme vous le trouverez aujourd'hui, dans nombre de livres de vulgarisation, et hélas, pas seulement les plus mauvais d'entre eux, l'affirmation que le Big Bang a eu lieu, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années. Alors, quand vous faites une conférence sur la cosmologie classique devant un auditoire profane, évidemment, première question qu'on vous pose après, c'est, oui d'accord, 13,8 milliards d'années, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Et donc, la question est de savoir si le qu'y avait-il avant est une question légitime ou pas. Eh bien, on peut fort bien interpréter la cosmologie la plus classique sans en modifier une ligne d'équation, sans en changer du tout le formalisme, comme montrant que ce 13,8 milliards d'années est plausiblement, possiblement en tout cas, un artefact dû à une définition de la mesure du temps qui peut fort bien être critiquée et remplacée par une autre, dans laquelle on s'aperçoit qu'à ce moment-là, ce temps fini de 13,8 milliards d'années, estimé dans une autre échelle temporelle, devient en vérité infini. Le Big Bang recule à moins l'infini, et dans cette vision-là, l'univers a toujours déjà existé. La question de l'origine, la question de la création est éliminée. Alors, j'insiste un peu sur ce point parce qu'il y a là une responsabilité des scientifiques eux-mêmes qui, à mon sens en tout cas, n'exercent pas assez leur esprit critique sur leur propre travail. C'est-à-dire que quand ils ont, ce qui est le cas de la cosmologie classique à laquelle je fais allusion, quand ils ont un formalisme bien défini, avec des belles équations, qui permettent de faire des tas de calculs, ils sont très contents. Mais la question de savoir ce que veulent dire ces équations, de leur signification, n'est pas réglée pour autant. Et quel que soit le domaine d'une science pourtant aussi formalisée, théorisée, mathématisée que la physique, il n'est pas difficile de montrer qu'à chaque moment de son évolution, une théorie formelle donnée est susceptible de plusieurs interprétations. Autrement dit, si vous n'allez pas vers une réflexion proprement épistémologique sur le contenu formel de votre théorie, vous laissez le travail à moitié fait. Et il peut très bien y avoir, ce qui est le cas à l'heure actuelle, consensus sur le formalisme, mais dissensus sur les interprétations possibles. C'est le cas aussi, d'ailleurs, encore aujourd'hui, près de 100 ans après, de la théorie quantique, sur laquelle, pour l'instant, tout le monde s'accorde sur les équations, il n'y a aucun problème, elles marchent très bien quand on sait les résoudre, situation où on ne sait pas, mais elle n'a jamais rencontré de contradiction par rapport à l'expérience. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien là, il y a tout un débat qui a été mis sous le boisseau assez rapidement, après quelques années, parce qu'au début, évidemment, quand les gens créent une théorie totalement nouvelle, je parlais de la théorie quantique, donc des gens comme Niels Bohr, Heisenberg, Dirac, etc., etc., ils s'affrontent à un problème très difficile, ils sont obligés de penser vraiment. Plus ou moins bien, parce qu'ils sont prisonniers, forcément, du monde théorique ancien qu'ils sont en train de mettre à bas. Mais quand le nouveau surgit, vous n'êtes pas en état de le penser dans ses propres termes. Ces propres termes, il faut que vous les élaboriez, et ça prend du temps. C'est ce que Bachelard appelait la refonte épistémologique, qui doit nécessairement suivre une révolution épistémique. Si vous n'avez pas de refonte, vous restez dans un statu quo qui, petit à petit, devient archaïque, et dans le cas de la théorie quantique, c'est encore aujourd'hui le cas, puisque vous voyez beaucoup d'articles, de livres qui vont continuer à vous parler du principe d'incertitude, de l'indéterminisme et de choses de ce genre-là, qui sont largement
critiquable. Donc, si je dis ceci, c'est simplement pour dire qu'il y a effectivement dans la résurgence permanente de livres de ce genre-là, une part, pas majeure, mais une part de responsabilité qui revient aux scientifiques dans la trop grande faiblesse collective de leur travail de réflexion et de reformulation. Alors, de fait, ce débat sur les relations entre science et religion ne cesse de revenir à la mode depuis, comme je vous l'ai dit, extrêmement longtemps. Et il réitère sans trêve un vieux poncif qu'on a attribué, je ne sais pas quelle est vraiment la première source, c'est toujours extrêmement difficile d'attester d'une source originelle, mais un poncif qu'on a attribué à Francis Bacon, à Pascal, à Pasteur et bien d'autres, et que Flaubert épingle dans son dictionnaire des idées reçues, suivant la formule « un peu de science écarte de Dieu, mais beaucoup y ramène ». Situation tout à fait rassurante. Pour me borner simplement pour vous montrer qu'on n'a là qu'un énième avatar d'une longue histoire, et pour prendre quelques exemples plus récents, un très respectable mathématicien écossais, Edmund Whittaker, qui a fait des travaux tout à fait reconnus, reprend cette perspective dans un petit ouvrage qui s'appelle « Space and Spirit » et dont le sous-titre est explicite « Theories of the Universe and the Arguments for the Existence of God » l'existence de Dieu, à la lumière des théories de l'univers et qui s'appuyait sur les théories cosmologiques, encore d'ailleurs assez fragiles, dans les années 1920-1940. On trouvera la même chose chez le savant jésuite Teilhard de Chardin, qui pourtant fera l'objet d'une sérieuse mise en garde du Saint-Office, qui explore cette voie vers les années 50 en s'appuyant sur les sciences de la vie par le biais d'une interprétation créationniste de l'évolution biologique, rejoint par un autre philosophe catholique et pas des moindres qui s'appelle Claude Tresmontant. Avec bien moins de sérieux, certains d'entre vous se rappelleront sans doute un livre à succès déjà, écrit en 1991 par les frères Bogdanov et le philosophe Guiton, qui avait illustré cet éternel retour. Alors, pourtant, dès 1947, des théologiens, un théologien thomiste, Sertillange, avait montré les risques d'une exploitation trop simpliste de la notion de création. Et il faut rappeler que l'abbé Lemaître lui-même était extrêmement prudent à cet égard et qu'il avait explicitement fait part au pape de l'époque du risque qu'il y aurait à invoquer la cosmologie classique en des termes proprement religieux. Alors, de fait, il est intéressant de constater, pour ne pas être trop unilatéral, que dans les milieux catholiques, un tant soit peu prudents, cultivés et au fait de cette longue histoire, les réactions par rapport aux livres de Balloré et de Bonassis ont été assez critiques. Par exemple, Lacroix a publié un article d'un de nos collègues, d'ailleurs, qui écrit « En cherchant à reléguer le matérialisme à l'état de croyance irrationnelle, parce qu'évidemment, ils tentent de renverser la chose, messieurs Bolloré et Bonassis se contredisent, car proposer la manifestation de Dieu dans la nature comme preuve de son existence est un matérialisme. Cantonner l'entendement de cette manifestation à la science, et pire encore, c'est un matérialisme creux. Leur ouvrage propose un discours scientifico-mystique qui dessert tout ensemble la science, soudain privée de ses principes et de son objet, et la foi, soudain retirée du domaine du cœur de l'homme. » Bon, ben, il ne appartient pas de défendre la position fidéiste de ces auteurs, mais au moins sont-ils
extrêmement prudent. Et vient de paraître d'ailleurs, de ce point de vue-là, un livre de François Heuvé, qui est un théologien jésuite, vous voyez, qui reprend d'ailleurs à peu près l'image de couverture, il s'appelle « La science, l'épreuve de Dieu » et « Réponse au livre Dieu, la science, l'épreuve ». Il faut dire d'ailleurs que j'ai été assez déçu en lisant ce livre, parce qu'il récapitule de façon tout à fait intéressante la longue controverse que je viens d'évoquer. Il disserte tout à fait subtilement sur les questions philosophiques, mais il ne prend jamais de plein fouet les arguments de Bolloré et Bonassis, et il fait preuve d'une prudence toute jésuitique dans ce livre. Alors, pour terminer, je voudrais faire une proposition. C'est que, évidemment, on comprend bien que des courants spiritualistes, comme celui-ci, celui qui est manifesté ici, plutôt que de s'opposer frontalement à la science, aujourd'hui il est difficile de dénier l'intérêt, la valeur, etc., et plutôt que de s'y opposer frontalement, s'essaye à la récupérer. Mais, de fait, l'inévitable confusion épistémologique qui, du coup, entoure l'émergence de nouvelles conceptions scientifiques, fournit une sorte de bouillon de culture assez trouble pour tenter d'en nourrir les visions du monde les plus diverses. Les plus diverses, oui. J'aurais pu citer aussi, pour dire que cette affaire-là n'est pas réservée au seul christianisme et en particulier catholicisme, les protestants ont toujours été beaucoup, beaucoup plus prudents sur ce terrain-là. Mais qu'on retrouve cette tentation concordiste, pour l'appeler par son nom, la science, la religion, ça va ensemble, ça se conjugue, ça se conforte. On la retrouve chez quelqu'un comme l'astrophysicien bouddhiste Trinh Xuan Tran, nos collègues, fort bonne qualité scientifique. Et puis, évidemment, on ne compte plus les sites islamo-intégristes qui se consacre à ce genre de choses en tentant de démontrer que le Coran a déjà tout prévu et que dans le Coran, vous trouvez la preuve du Big Bang, la valeur de la vitesse de la lumière et que sais-je encore. Alors, on peut se demander si, face à cette exploitation empressée, le rappel de la nécessaire prudence méthodologique, l'affirmation de l'indispensable séparation des genres entre sens et religion, la référence à la laïcité de la recherche, sont assez efficaces, nécessaires certes, mais le problème c'est que la critique rationaliste, intellectuelle, acculée par définition à la défensive dans cette affaire-là, a toutes les apparences d'une tâche à la Sisyphe. Une autre stratégie me semble possible, non pas pour remplacer cette critique absolument indispensable, mais pour s'y ajouter, pour la supplémenter. Plutôt que d'affronter de face la lourde alliance, et pas si nouvelle, du spiritualisme et du scientisme, il s'agirait de la prendre à revers, cette alliance. Et cette voie, je vais l'illustrer à l'aide d'une fiction littéraire qui en a parlé avec, à mon avis, une virtuosité et une intelligence rare. C'est un roman trop peu remarqué d'un grand écrivain américain contemporain, mort maintenant depuis plusieurs années, il s'appelle John Updike, vraiment un des grands romanciers de la deuxième moitié du 20e, du début du 21e, très prolifique, qui a beaucoup écrit essentiellement sur les affres sociologiques de la petite bourgeoisie américaine. C'est d'ailleurs en général une littérature qui est assez drôle parce qu'assez ironique. Mais il, enfin pas mais, et dans la même veine d'ailleurs d'une certaine façon, il a écrit un livre que je trouve tout à fait remarquable, que je recommande à tout le monde, qui est un livre qui remonte maintenant à une trentaine d'années, qui s'appelle, dans sa version française, paru chez Gallimard, « Ce que pensait
Roger. Le titre français est mauvais, d'ailleurs, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas, l'éditeur français n'a pas choisi la pure et simple traduction au pied de la lettre du titre anglais, qui est Roger's Version, la version de Roger, qui est bien meilleure, parce que la version dont il s'agit, c'est la version des faits, mais aussi sa version de ce que sont ou ce que ne sont pas ou ne devraient pas être les rapports entre science et religion. Alors, pour vous donner la trame en deux mots, mais je ne vais pas spoiler jusqu'au bout, le personnage principal de l'ouvrage, c'est Roger, donc, qui est professeur de théologie dans une université de la Nouvelle-Angleterre, après avoir été lui-même pasteur en activité dans plusieurs paroisses. Et puis, il a trouvé que le prêche et s'occuper de ses ouailles, c'était vraiment trop épuisant, trop fatigant. Il s'est tourné vers la théorie théologique et il enseigne l'histoire de la théologie dans une université plutôt chic de la Nouvelle-Angleterre. Vous y trouverez des choses absolument passionnantes sur ce qu'il enseigne, c'est-à-dire l'histoire des hérésies des deux ou trois premiers siècles. Et vous verrez que entre les arianistes et bien d'autres, et ceux qui sont devenus les catholiques d'aujourd'hui, l'affaire est loin d'être tranchée à cette époque-là, et qu'il y a toutes sortes de débats, en particulier un débat bien connu sur la nature du Christ, est-il Dieu, est-il homme, est-il les deux, Dieu, les deux à la fois. Et donc, vous pouvez qu'en conclure que le catholicisme actuel, c'est celle de toutes ces variantes qui a survécu pour des raisons manifestement en partie contingente, comme l'est l'histoire en général. Alors, c'est le narrateur du livre, et il est confronté à un jeune informaticien qui débarque un jour dans le département de théologie pour proposer d'y rédiger et défendre une thèse dont le thème serait démontrer à partir des données physiques et biologiques existantes au moyen de modèles et manipulations sur ordinateur l'existence de Dieu, c'est-à-dire d'une intelligence agissante et souveraine derrière tout phénomène. Alors, ce qui est extrêmement malin dans le livre, c'est que c'est le théologien qui va critiquer vivement et sur le fond l'argumentation du jeune scientifique relativement inculte et peu au fait de la nature du débat. Je passe sur des épisodes un peu croustillants, d'ailleurs, dans le livre, la liaison entre le jeune étudiant et la femme du théologien. Bref, vous verrez. Et je vais me contenter de citer un passage. Alors, il y a une grande partie du livre qui est fondée sur des dialogues entre l'un et l'autre des personnages principaux. Dialogues dans lesquels John Updike montre une intelligence remarquable des contenus scientifiques. Il a vraiment beaucoup lu et il ne commet pratiquement pas d'erreur quand il s'agit ni d'astrophysique, ni de cosmologie, ni d'ailleurs de théorie de l'évolution. Et il en démontre une capacité vulgarisatrice absolument remarquable que beaucoup de nos journalistes professionnels pourraient envier. Je vais vous citer juste un passage d'un dialogue clé où le jeune informaticien, évidemment, se base sur le Big Bang et la complexification croissante de la nature comme prouvant, ça c'était l'argument de Teilhard de Chardin, la montée vers la complexité qui correspondrait à un dessin, au sens design, un dessin intelligent de la part de la divinité. Voici ce que lui répond Roger. Tous ces raisonnements à rebours, à partir des conditions actuelles, pour conclure qu'elles sont hautement improbables
Est-ce que vraiment ça nous donne une telle longueur d'avance sur l'homme des cavernes qui ne comprenait pas pourquoi chaque mois la Lune changeait de forme dans le ciel et en conséquence inventait un tas d'histoires sur les dieux, les blagues et les cabrioles auxquelles il se livrait là-haut? Vous vous imaginez, dirait-on, répond toujours à son étudiant, que par pure obligeance, Dieu est disposé à se précipiter pour combler le vide, la moindre lacune de la science. Le savant moderne n'a pas la prétention de tout savoir. Il prétend uniquement savoir plus de choses que ses prédécesseurs et aussi que les explications naturalistes paraissent se vérifier. Impossible d'avoir tout le bénéfice de la science moderne et en même temps de s'accrocher à la cosmologie de l'homme des cavernes. Vous gardez Dieu prisonnier de l'ignorance humaine. Très belle phrase. Mais ma foi, toujours Roger le pasteur qui parle, dérisoire ou non, me pousse à m'insurger avec horreur contre votre tentative, votre grossière tentative, ai-je failli dire, pour réduire Dieu au statut de fait, un fait parmi tant d'autres, pour l'induire. J'ai l'absolue conviction que mon Dieu à moi, que le vrai Dieu de n'importe qui, ne sera pas induit, ne sera jamais tributaire de statistiques, de fragments d'ossements desséchés et de vagues lueurs au bout d'un télescope. Et il cite pour finir une non moins belle phrase du théologien protestant Karl Barth, qui pose la question suivante, « Mais quel genre de Dieu serait-ce, ce Dieu qu'il faudrait démontrer ?» Alors, je termine là-dessus parce qu'il me semble qu'il est intéressant de regarder ce qui se passe chez l'ensemble des croyants pour montrer qu'ils ne sont pas uniment sur des positions aussi ridicules que ça et de faire jouer les contradictions qui peuvent les opposer les uns aux autres et de s'apercevoir qu'il y a chez eux des gens dont on est évidemment nullement obligé de partager la foi, mais avec qui il est possible de s'entendre sur une conception intelligente du rôle de la science, de ses apports et de ses limites. Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Alors vous connaissez les règles du jeu, c'est une conférence débat, donc vous avez maintenant la parole. Et je vais peut-être commencer par désigner une question ici, puis après nous irons voir les internautes qui, je suis sûr, grâce à la vigilance de Gary Mamon, a certainement un nombre de questions également. Jean ? Alors, bravo d'abord pour cette très belle présentation. Je relève un point minuscule. Tohu-bohu, c'est dans Ovid, les métamorphoses, c'est pas dans la Bible. Ah, excusez-moi. Tohu-bohu, voilà. Non. Je te promets. Tohu-bohu est un terme hébreu. Oui, mais c'est dans Ovid. Dans la Bible. C'est dans Ovid. Ah, que ça soit dans Ovid, peut-être, mais c'est dans la Genèse, ça je vous en garantis. Je regarderai. Mais alors, bon. J'ai un autre point. Tu as dit à un moment qu'on peut se poser des questions sur le principe d'incertitude d'Heisenberg. Mais comment interpréter l'effet tunnel si on n'a pas accès à ce principe d'incertitude? Vous m'invitez pour une autre conférence sur le sujet? Bonne réponse. Oui. L'effet tunnel, interprété via... Alors, justement, toute la question, c'est de savoir s'il faut vraiment appeler ça le principe d'incertitude. Qu'il existe des inégalités de Heisenberg. Parfaitement d'accord. C'est une conséquence simple. Ce n'est pas un principe d'ailleurs, parce que c'est une conséquence dérivée des principes de base de la théorie quantique. Ces inégalités de Heisenberg, tu peux effectivement les exploiter pour donner une compréhension intuitive, heuristique, de l'effet tunnel et de bien d'autres choses d'ailleurs. Mais tout le problème, c'est de savoir s'il faut vraiment appeler incertitude ce qui est en fait une largeur spectrale, une largeur de bande. Quand tu écris en physique classique une inégalité spectrale qui lie la largeur de bande en fréquence
autant caractéristique du signal, delta nu, delta t, plus grand que 1, en gros, jamais te viendrait à l'idée d'appeler ça des incertitudes. Ce sont des largeurs de bande, des dispersions. Tu vois. Donc, ça conforte, au contraire, mon point, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être d'accord sur les équations, le formalisme, mais il faut être extrêmement attentif aux termes que l'on emploie pour le décrire. J'ai un commentaire sur le dernier ouvrage que tu as mentionné, celui d'Hubdick, pour renvoyer à un autre ouvrage que j'ai trouvé fascinant, celui de Laurence Cosset, qui s'intitule « Le coin du voile », qui est publié chez Gallimard, où c'est une fiction et qui dit beaucoup sur le rôle de la religion parmi les croyants eux-mêmes. Parce que l'histoire se passe dans un monastère et un des moines reçoit une enveloppe dans laquelle... Oui, pardon. Il reçoit une enveloppe. Oui. Et dans cette enveloppe, il la lit et il y trouve la preuve de l'existence de Dieu. Alors, il est ébranlé. Pour lui, le ciel lui tombe sur la tête. Il ne sait pas quoi faire de cette révélation-là. On ne saura évidemment pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, dans le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'il essaye de partager cette information aux autres. Et évidemment, personne ne veut savoir. Et l'affaire remonte jusqu'à la papauté. Je trouve que c'est un livre... C'est un roman. Ah, c'est un roman, oui. Mais oui, c'est un roman qui très dit des choses sur notre... sur la croyance en général. Voilà. Ça s'appelle « Le coin du voile ». C'est de Laurence Cosset, C-O-2-S et accent aigu, et c'est paru aux éditions Gallimard. Je vous recommande cet ouvrage qui est absolument intéressant de ce point de vue-là. Bon, voilà. On va prendre quelques questions de la salle. Oui, et ensuite nous irons voir du côté des internautes. Oui, bonsoir. C'est une question d'un non-scientifique, mais qui s'intéresse à la science. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fond, enfin, scientifique, même si je ne le suis pas. Je voudrais avoir votre avis. Ce qui m'inquiète presque plus, c'est la nature des auteurs et de leur méthode. C'est-à-dire que ce sont des scientifiques, normalement, enfin, ou des pseudo-scientifiques. Mais si ils se prétendent scientifiques, je crois, hein, donc ils seraient censés appliquer des règles scientifiques. Ce qui m'inquiète, c'est la nature même de ces auteurs-là. Je ne sais pas quel est votre avis. Moi, j'en déduirais que, au mieux, ce sont des incompétents, si j'en déduis ce que vous décriviez. Au pire, j'ose pas dire le mot, des escrocs, mercantiles. L'un n'empêche pas l'autre. Et dans ces cas-là, je serais plus inquiet parce que on se pose tous des questions, croyants ou pas croyants. La nature humaine est faite de doutes, est faite de mythes, mais est faite aussi de science. Et je trouve que la médiatisation de ce bouquin est plutôt inquiétante. Je voulais avoir votre avis là-dessus, sur justement la nature des auteurs et de leur méthode. Mais ces auteurs ne sont pas des scientifiques. Ils ont une formation d'ingénieur. Alors, je ne veux pas critiquer les ingénieurs pour autant, mais une formation d'ingénieur qu'ils ont largement oubliée dans la mesure où ils se sont consacrés l'un et l'autre à des activités. Alors, voilà. Michel-Yves Bolloré est ingénieur en informatique et docteur en gestion des affaires. Depuis 1980, il participe avec son frère à la direction du groupe Bolloré, dont il dirige la branche industrielle. Ce n'est pas un scientifique en activité. Olivier Bonassi est passé par l'école polytechnique, mais c'est un diplômé de HEC et de l'Institut catholique de Paris, entrepreneur, il a créé plusieurs sociétés, etc. Donc, ils ne prétendent même pas être scientifiques, heureusement. Ils disent juste, comme nous avons une formation scientifique, dont acte, nous avons été à même d'étudier de multiples ouvrages. Et effectivement, le nombre de citations que vous trouvez dans le livre est très considérable. Ils ont certainement beaucoup lu, mais fait des choix assez problématiques dans certains cas, parce qu'ils interprètent, de façon tout à fait libre,
des citations qui, prises au pied de la lettre, ne vont pas du tout dans, dans leur sens. Alors, sont-ils incompétents? Ma réponse est oui. Vraiment, oui. Ils sont scientifiquement incompétents dans le domaine qu'ils prétendent traiter. Je ne dis pas, pour autant, qu'il faut nécessairement être scientifique, spécialiste de ces questions, pour en parler avec compétence. Je vais donner un contre-exemple avec le romancier John Updike, que j'admire énormément et qui a, beaucoup, qui a écrit d'autres choses. Il a écrit de très très beaux poèmes sur la science dans une inspiration très lucrétienne. Et ça s'appelle Ode à la nature, ou un truc comme ça. Paru chez Gallimard aussi, et c'est vraiment très beau. Bref. On peut très bien être un bon médiateur, comprendre bien, sans rentrer dans les détails formels, ce que vous disent les scientifiques, à condition de bien choisir ses sources et à condition de garder un certain esprit critique par rapport à ce qu'on lit. Donc incompétent certainement. Escroc, non, je dirais plutôt... idéologue, missionnaire. Ils croient à ce qu'ils écrivent, je pense. Pardon ? Ils ne sont pas des escrocs dans la mesure où ils croient à ce qu'ils écrivent. Oui, 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 je crois qu'ils sont sincères. Mais... alors, il y a effectivement quand même un certain nombre de choses où on peut mettre en évidence leur mauvaise foi, mais... je crois que ce sont des... Oui, c'est, ils sont en mission pour l'Opus Dei, etc. Ça me paraît clair. Bien, je donne la parole si vous voulez à François. Juste rajouter, vous conseiller de lire David Elbaz, qui est un de nos collègues, qui s'est contenté de pointer un certain nombre d'incompréhensions crasses. Disons que quand on a des étudiants, voilà, si vous ressortez ça d'un cours qu'on leur fait, ils n'auraient pas une bonne note. Voilà. Donc, mais simplement de l'eau à votre moulin sur la partie incompétence. Et donc, David a fait, a priori, à mon avis, le bon choix, qui était simplement de pointer les erreurs factuelles, sans aller se mélanger dans le débat. Tout le monde n'a pas votre capacité à ramener aux sources du christianisme ou des différents philosophes. Mais en revanche, nous, on peut au moins pointer les problèmes, disons, simplement factuels. Oui, voilà, oui. C'était juste un petit point en rajout. Non, tu as raison. Voilà, Daniel. Il y a oui. aussi l'intervention de Michel Cassé dans ce domaine. Oui, c'est ça. Il y a eu toute une série d'interventions très pertinentes pour remettre, de la part des astrophysiciens, pour caler le point de vue vis-à-vis de la cosmologie. Le problème, c'est que ce n'est pas que factuel, parce que sinon, ça ne reviendrait pas aussi régulièrement à cette espèce de confusion des genres. Voilà, à vous. Est-ce que vous... J'ai peut-être, excusez-moi, j'ai oublié de dire une chose quand même qui n'est pas sans intérêt, c'est que ce livre est édité chez Trédaniel. Trédaniel est un éditeur, il l'édite sous son nom, mais il a une autre maison qui s'appelle Dervy Médicis, et ce sont à 90% des livres de parapsychologie, de magie, d'ésotérisme... d'astrologie, etc. Donc, le cadre dans lequel c'est publié veut bien dire qu'aucune maison d'édition, un tant soit peu sérieuse, alors je ne sais pas s'ils l'ont proposé, à mon avis, non, mais aucune maison d'édition sérieuse n'aurait jamais publié un livre de ce genre-là. Est-ce que vous pourriez dire un mot de ce qui passer pour un dévoiement téléologique du principe anthropique. C'est-à-dire, puisque nous existons tels que nous sommes, forcément, tout l'univers a été fabriqué, entre guillemets, pour que nous existions. Donc c'est la preuve de l'existence de Dieu par l'existence de l'homme, en quelque sorte, qui est une très vieille histoire. On peut remonter très loin dans l'histoire des idées. Même à Leibniz, par exemple, qui, dans ses versions vulgarisées, prétendait
que si le melon avait des côtes, c'était pour qu'il puisse être partagé entre les convives. J'ai entendu dire qu'on retrouvait très fortement cette veine de raisonnement dans ce bouquin. Est-ce que vous pourriez en dire un mot ? Oui, je pense que c'est le principe anthropique, c'est peut-être le fondement de la discussion qu'on peut, du commentaire que tu pourrais faire. Sur le principe anthropique, oui, parce que monsieur pose la question de savoir, il pourrait savoir si tu peux commenter ce qu'on appelle en cosmologie le principe anthropique, qui a été largement utilisé par les scientifiques eux-mêmes d'ailleurs, dont Trinix Tuan que tu as évoqué tout à l'heure, et selon lequel effectivement si nous sommes là c'est parce que les lois étaient tellement fines que l'on peut pas s'interroger. C'est un peu le Voltaire, hein. Rappeler quand même le contexte, qui est simplement d'une toute petite variation par rapport aux lois que nous constatons et que nous mesurons ne serait sans doute pas propice à l'émergence de la vie. Ça c'est un aspect factuel. Après, il y a ce qu'on en fait, et c'est justement, encore une fois, c'est ce mélange entre quelque chose qui est constaté et une interprétation. Donc c'était juste pour réécrire. Oui, c'était juste pour remettre en contexte pour ceux qui ne savent pas de ce dont alors, il s'agit. Attends, parce que le problème, c'est, dans le principe anthropique, en tout cas initial, la question n'est pas tellement celle des lois de la physique, mais celle de la valeur des constantes fondamentales qui entrent dans ces lois. Mais ça fait une différence quand même, tu vois. Parce que les lois de la physique ne sont pas, dans cette version-là, ne sont pas mises en cause. Mais on se dit, mais si la masse de l'électron était un tant soit peu différente, si la vitesse de la lumière n'était pas exactement ce qu'elle est, alors l'évolution de l'univers aurait été complètement différente et nous ne serions pas là pour en parler. Ceci est absolument vrai, c'est irréfutable. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un, au départ, qui a mis le potentiomètre juste au bon endroit pour la valeur de telle ou telle constante ? Vous voyez qu'il y a un non-sequitur, là, qui ne permet absolument pas d'exploiter cette constatation intéressante au demeurant de façon métaphysique. Pas plus, d'ailleurs, suffirait de la généraliser ou de donner d'autres exemples pour montrer son ridicule. On pourrait dire l'astéroïde qui a percuté la Terre il y a 65 millions d'années, chose qui maintenant est à peu près fait consensus. Du côté de ce qui est maintenant le Yucatan, on a les traces d'un énorme impact géologique, c'est clair qu'il y a un énorme astéroïde qui a percuté la Terre et qui a bouleversé absolument toutes les conditions à la surface de la Terre et causé ou précipité, ça peut se discuter, l'extinction des dinosaures et l'émergence, ou plutôt le développement des petits êtres qui jusque-là étaient un peu miséreux parce qu'il fallait qu'ils se cachent pour ne pas être bouffés, à savoir nos ancêtres mammifères qui initialement étaient plutôt de la taille des petits rongeurs. Alors on pourrait dire, le fait que cet astéroïde ait percuté la Terre a été calculé depuis le début pour que 65 millions d'années après, nous puissions en discuter. Donc en fait, tout événement passé qui a des répercussions sur la situation actuelle, c'est comme ça qu'on fait de la science. Toute la paléontologie, la préhistoire, la cosmologie est basée sur l'observation que ce qu'on observe aujourd'hui donne des renseignements sur ce qui a été dans le passé, mais ne nous dit rien sur le fait que ce qui a été dans le passé a été fait pour. Je vais citer Françoise Sagan, si tu veux bien. Oui, je disais, on ne sait jamais trop ce que le passé nous réserve. Très joli. Il faudra penser aux internautes quand même aussi. Deux choses. Est-ce que finalement la position de l'abbé Lemaître, qui a été à la fois qui était un bon scientifique, qui a trouvé une chose fondamentale, il disait lui-même quand il faisait de la science, il n'était pas ecclésiastique, et quand il était ecclésiastique, il n'était pas physicien. Donc ça veut dire qu'il avait trouvé un mode d'équilibre totalement non conflictuel
entre guillemets, harmonieux, et quelque part, il trace une voie qui paraît cohérente. Alors par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'on trouve parfois aussi la science utilisée dans l'autre sens. Parce que moi, j'ai passé de nombreuses années dans des labos de recherche, où, étant, moi je suis croyant, donc je leur disais je suis croyant, je suis chrétien. Ils me disaient, mais quoi, t'es scientifique et t'es croyant? Mais je l'ai entendu des dizaines de fois. Et je leur disais, mais où est le problème? Où est le problème? Après Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, qui avait fini sur un message en disant, finalement, rien n'est écrit, tout se combine par les combinaisons du hasard et de la nécessité, et ils font le raccourci, le fait qu'on ne puisse pas approuver Dieu prouve que Dieu n'existe pas, ce qui est stupide, et ce qui est totalement irrationnel. Et ça, on le trouve dans des bouches de scientifiques qui sont très, 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 très forts. Donc, ce subjectivisme qui n'est pas rationnel, qui n'est pas cartésien, on le trouve aussi dans des scientifiques pour l'autre orientation. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Tout à fait d'accord. Je n'ai jamais considéré que la science prouverait ni l'existence, ni l'inexistence de Dieu. Il y a un livre que je vous recommande aussi sur le sujet. C'est un livre du très grand biologiste Stephen Jay Gould, dont le titre m'échappe à l'instant, mais qui défend de façon explicite la thèse qu'il appelle « Noma », qui est la thèse du non-recouvrement des magistères, dit-il, science, la religion. Alors, moi, je ne suis pas croyant, mais je ne crois pas qu'on puisse prouver l'inexistence de ce qui est un concept. Vous savez, Marx disait « Dieu existe dans la tête des hommes ». Donc la question, à ce moment-là, devient plus intéressante, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette idée, que ce concept? Et là, on peut discuter, mais ce n'est évidemment pas la physique qui va pouvoir renverser cet argument. Et d'ailleurs, Thomas d'Aquin, lui, le dit très très bien, il dit c'est un article de foi. Bon, ben, vous y croyez, vous y croyez. La rationalité ici ne peut que, me semble-t-il, amener à poser des questions dans un terrain dont il n'a pas du tout été question, ça serait une toute autre chose. À mon avis, le terrain sur lequel la discussion devient difficile et passionnante, ce n'est pas tellement le terrain proprement philosophique, c'est le terrain éthique. La grande question qu'on peut poser quand même à la religion, qu'elle se pose elle-même d'ailleurs, c'est l'existence du mal. Et ça, ça ouvre des perspectives, comme vous le savez mieux que moi, si vous êtes croyant, qui sont assez vertigineuses. Donc ça, je veux bien en discuter avec un croyant. Lui demander comment il s'accommode de l'existence du mal. Il aura des réponses, parce que ça a été largement élaboré depuis des millénaires et des millénaires. Mais en tout cas, pour résumer, je suis absolument d'accord avec vous, la science ne peut pas démontrer l'inexistence de Dieu. Ça n'a même pas de sens. Bien, si tu veux bien, on va adresser la parole aux internautes. Je pense que Gary a... Merci Daniel. Donc il y a quelques remarques intéressantes des internautes. Et si je peux introduire la première remarque, c'est quand on parle de l'existence du Dieu, de quel Dieu s'agit-il? Est-ce que c'est le Dieu omnipotent, omniscient et bon? Et où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se permet de faire des perturbations? Donc il y a Yann qui dit « La vraie question n'est pas si Dieu existe, mais s'il existe, qui est-il? Se soucie-t-il de nous? Pourquoi permet-il les souffrances et l'injustice, comme vous le faisiez remarquer? Et qu'attend-il de nous? » Bon, c'est une question difficile. Oui, mais ça c'est un argument, effectivement, mais un vieil argument philosophique aussi, hein, qui remonte à l'Antiquité grecque, c'est... les matérialistes grecs de l'Antiquité, ils acceptaient l'existence des dieux, mais ils n'ont rien à faire de nous. Oui, les dieux existent, mais ils s'occupent entre eux, là-haut. Nous, ils s'en fichent pas mal. Donc, c'est une possibilité. Alors, il y a Mathieu Giroux qui fait de la publicité pour un livre qu'il a écrit. Il dit « Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacier se sont tous deux inspirés de mon livre gratuit « Pourquoi un Dieu ?»
Je ne sais pas si vous connaissez. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques. Il y a Clément qui dit « La compréhension de l'existence mène à se poser des questions légitimes sur la probabilité de ne pas être là par hasard, d'où la possibilité d'un créateur en dehors de toute pensée dogmatique. » Mais oui, il est prudent. Il dit « la possibilité d'un créateur ». Je ne peux pas vous le donner. Bon, je crois qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais une partie de ces questions ont déjà été abordées, donc voilà, on va peut-être prendre des questions nouvelles. Il y a Yo-Yo qui a dit, qui écrit « On a parlé de Dieu, mais où est le diable dans tout justement, cela ?» Justement, c'est ce que je voulais. Je voulais parler du diable. Comme, je ne sais pas le sujet d'aujourd'hui, mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup moins d'écrits sur le diable, alors que ça règle un peu le problème du mal? Et en plus, le diable était très cher à Grothendieck. Oui, enfin, mais quel diable, on peut se demander. Bon. D'autres questions? Alors, oui, madame, allez. Un peu qu'on entende aussi des dames. Merci pour votre exposé. Je voulais savoir ce que vous pensiez de... Parce que bon, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas prouver l'inexistence. Par définition, on ne peut pas prouver l'inexistence de beaucoup de choses. Et je pense à Russell et sa théière. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette jolie, je ne sais pas si on peut l'appeler une métaphore, de la théière de Russell qui moi, me plaît beaucoup. Et peut-être expliquez-la. Oui, alors Russell, qui est un mathématicien anglais, je ne saurais pas dire de quel du début de je ne saurais pas dire quelle année. Début 20e. Explique que s'il y avait une théière qui tournait autour de je ne sais plus quelle planète, les scientifiques, avec toutes les connaissances qu'ils ont, ne pourraient pas prouver son inexistence. Il était très moqueur, évidemment. Hein, bon. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de... Mais il était, ceci dit, un grand scientifique quand même. Non, mais... Je crois effectivement que l'idée même de prouver l'inexistence de quelque chose est une sorte de contradiction dans les termes. Et que nous sommes parfaitement conscients dans la vie quotidienne quand il s'agit de choses extrêmement importantes pour nous. Peut-on... Alors, inexistence ou existence, peut-on prouver l'existence de l'amour? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'on peut le prouver? Ben non. Il n'y a pas symétrie complète entre prouver l'existence ou prouver la non-existence. La question que posait monsieur, c'est un petit... Ou madame, c'est en fait, est-ce que mathématiquement, il est démontré que c'est impossible de démontrer l'inexistence de quelque chose? Non, mais là, il faut faire montrer l'existence de quelque chose, c'est facile, il suffit de l'amener sur la table. Bien sûr. D'accord. Mais montrer l'inexistence, est-ce que c'est prouvé mathématiquement? Ça dépend de quoi il s'agit. S'il s'agit d'un objet, même la théière, alors si elle est très loin, bon, mais vous pouvez démontrer l'existence. Mais s'il s'agit d'un concept, l'amour, vous pouvez le poser sur la table, là, et dire, oh, voilà, il est là, il existe. Évidemment, non. Donc c'est la notion même d'existence, me semble-t-il, qui ne peut avoir pour corrélat un certain nombre de notions abstraites. On peut prouver une inexistence relative et non pas absolue. Tu peux dire oui, que dans tel volume, il n'y a pas de théière. Maintenant, si tu t'avises à vouloir démontrer l'absence de toute théière dans l'univers et dans toutes ses formes, c'est plus difficile. Donc c'est la différence entre... Donc je mettais de l'eau à ton moulin sur la dissymétrie entre prouver l'existence et l'inexistence. Pour les objets. Pour les objets. Oui, oui, on est bien d'accord. Il avait pris les objets. Pas pour les idées ou les notions. Alors, là. Je crois qu'on va. Oui, oui, bon. Oui, oui, mais. Il ne faut pas oublier de toute façon que la science fonctionne toujours sur deux jambes, les hypothèses et les expériences. Hein. Si on peut faire toutes les hypothèses que l'on veut, tant que l'expérience n'est pas là pour dire oui, c'est vrai,
Imaginez que sur une planète donnée, il existe des éléphants roses avec des petits points verts. Même si ça ne contradit pas les lois de la biologie, tant que je n'ai pas fait l'expérience, tant qu'on n'a pas trouvé ce type d'animal, on ne peut pas prétendre qu'il existe. Bon, alors, moi, je voudrais réagir différemment. Ce serait plutôt donner un témoignage. Donc, je suis chercheur émérite dans cette maison, mais en même temps, donc, je suis chrétien, pratiquant. Bon. Et donc, cohabite justement donc, le dialogue entre la science à laquelle je participe et puis la foi. Et donc, alors, bien évidemment, je peux vous assurer que je ne fonde pas ma foi sur donc, la science. Bon, je suis chrétien, donc c'est le Christ qui m'indique, enfin, qui me parle de Dieu, bon, et tout comme ça. Mais ceci étant, donc, j'ai beaucoup réfléchi sur les rapports entre ces fois. Et donc, je peux, par exemple, pourrais citer un psaume, justement, psaume 19, « Les cieux chantent la gloire de Dieu ». Donc, c'est-à-dire que la science que pratique me donne des raisons de croire, parce que par l'émerveillement que me procure, donc et ce qui se traduit, bon, il y a des tas de textes, justement, bien sûr, donc dans la sagesse, enfin, de l'écriture. Enfin, donc pour moi, c'est ça. Donc, la science a une valeur, pour moi, théologique. Bon. C'est un point de vue. Je réponds juste en deux mots. Je comprends ce que vous dites, mais alors là, on parle aussi à titre tout à fait personnel, subjectif. Moi, je ne m'émerveille pas devant les cieux, je m'émerveille devant certains aspects de l'univers, mais je suis tout à fait, comment dire, il y a tant de difficultés, de duretés, c'est la question du mal, encore une fois, tellement de choses que je ne supporte pas dans l'univers que ça n'est pas compensé par l'émerveillement que je peux avoir devant certains aspects. Bon, je voulais remercier Jean-Marc, non seulement pour la clarté de cette conférence, mais aussi pour son courage, parce qu'il me semble qu'il est un des rares scientifiques, et c'est peut-être ça que dit monsieur ou d'autres qui ont pris la parole sur les rapports de la foi et du savoir, ou de la croyance et du savoir, a toujours osé articuler ses connaissances scientifiques à la philosophie, pour justement comprendre qu'il y a les découvertes scientifiques et les interprétations qu'on en fait, comme tu l'as fait pendant cette conférence. Alors, c'est la prof de philo qui parle là et qui prend la parole, et qui dit que dans le débat que nous avons eu là sur les preuves de l'existence de Dieu, Jean-Marc a cité Kant, qui est pour moi le moment d'articulation central et sans lequel on ne peut pas lire le titre de l'ouvrage dont tu as fait la critique sans pouffer de rire, parce que Kant, qui était un très grand philosophe et un très grand croyant, a mis fin à des siècles de querelles théologiques en posant une distinction très simple, qui est que une existence ne se prouve pas. Une existence comme une inexistence, ça ne se prouve pas. Une existence, a dit Kant, en mettant fin à la tentative de prouver l'existence de Dieu, ça se constate. Voilà. Et donc, fin d'un débat. Donc, tout ça pour dire merci. Une petite dernière question quand même que j'ai promis. Une petite dernière question, alors, là-bas. D'accord. Oui, une question toute simple. C'est comment expliquez-vous le succès de ce livre et qu'il résonne tant dans la société ? Il y a le frère, déjà. C'est une question qu'on peut tous se poser, okay, me semble-t-il. Les raisons, en partie, ne sont pas très différentes de celle qui explique le succès du Rassemblement national aux dernières élections. Il y a une partie non négligeable de la population qui est à la recherche de
stabilisation sur des pensées d'un type conservateur, archaïque, rétrograde, parce qu'ils sont inquiets devant le monde moderne. Donc si on vous dit la science, qu'est-ce qu'il y a de plus moderne, elle prouve l'existence de Dieu, vous êtes, si vous voulez être rassuré, vous pouvez l'être comme ça. Et encore une fois, je pense que ce succès doit être relativisé. Je ne suis pas sûr que le livre ait changé l'opinion de beaucoup de ses lecteurs, qui au demeurant, comme je l'ai dit, sont à mon avis assez peu nombreux, les vrais lecteurs, j'entends. C'est plutôt un effet de confort idéologique qu'ils ont trouvé dans ce livre. Ah, il y a des gens qui démontrent que, très bien, bravo, je suis content, merci. Ça ne m'oblige pas à changer d'avis, je peux rester sur mes positions. L'existence étant fondamentalement angoissante pour beaucoup de gens, il y a des gens qui veulent se rassurer en comprenant d'où ils viennent et où on va. Je crois que c'est aussi simple que ça. On va conclure également sur l'aspect positif de ce livre qui nous a permis, donné l'occasion de réfléchir un petit peu et de rappeler un certain nombre de points qu'on ne devrait pas oublier sur la pratique scientifique, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est à l'Institut d'astrophysique que ça a lieu. Merci. Merci et, à vous. Restez avec nous pour les prochains mardis. Merci François, merci Jean-Marc. Et rendez-vous à la rentrée pour les cartes blanches. Voilà. C'est toi qui commenceras.